Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour un échange que j'ai fait sur mon groupe. Voilà mademoiselle Fifi qui vient de passer. Alors on avait j'avais organisé donc ici au mois de novembre un échange pour le mois de décembre. Donc il fallait qu'on envoie avant décembre bien sûr un calendrier de l'Avent. Voilà, donc l'on faisait de ses petites mains ou comme on voulait hein. Donc bon, moi je l'ai fait et ben, j'en suis contente. Là j'espère qu'il aura plu à ma binôme. Là, à l'heure où je fais la vidéo, je ne sais pas encore, puisque, comme vous voyez, il est encore avec moi, le calendrier, puisque là, il part cet après-midi. Il vient tout juste d'être terminé. Enfin, il a été terminé hier à 23h. Il a été terminé hier à 23h. Et je viens de lui mettre tous ses petits cadeaux. Voilà, donc là, il ne me reste plus qu'à l'emballer. C'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant. Il me reste à l'emballer et à aller lui envoyer. J'espère qu'elle l'aura pour le premier. Parce que là, on est le 27, 28. J'ai pris un peu de retard, moi, malheureusement. Pardon. Et du coup, bon, comme elle m'a dit, bon, c'était pas grave. Elle ouvrira deux cadeaux en même temps au lieu d'un. Mais bon. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Alors, il est assez gros. Voilà. Alors, je ne sais pas si la caméra va réussir à le prendre en entier. Alors, j'y vais doucement pour le mettre debout. Voilà. Alors, je vais me mettre debout pour pouvoir cadrer. Alors, je vais essayer en reculant la caméra. Fifi, si tu pouvais bouger, donc là je vais me mettre derrière la caméra, ça ira mieux pour moi filmer. Voilà, donc vous voyez, donc, y a, vous voyez Fifi à côté. Donc par contre, je ne peux plus vous dire combien il mesure. Je crois qu'en largeur il fait un peu plus de 30, presque 40, et en hauteur, Fifi bouge s'il te plaît. Et en hauteur, il fait 60 cm à peu près, je crois. Voilà. Donc là, c'est la couverture. Voilà. Je vous montre. Désolée, je bouge. Je vous montre le côté. Donc là, j'ai des rubans. Donc ça, c'est des confettis. Et j'ai collé des boules dessus. Et le dos est tout simple. Hein. J'ai rien fait sur le dos. Voilà. Donc, je vais reposer la caméra. Et je vais vous l'ouvrir. C'est vrai que là, il prend vraiment de la place pour me filmer. Donc, j'ai fait une fermeture, vous voyez, avec un ruban, enfin double ruban. Donc, j'ai choisi de le faire noir, n'importe quoi, or et argent. Et donc, voilà, quand on l'ouvre. Ne bouge pas, là il est rempli, donc il est un petit peu lourd. Bon, je vais vous le montrer. Voilà, un peu plus de loin. Voilà. Je vais vous montrer un peu plus les détails maintenant. Donc toutes les boîtes ont été bombées.
Donc, soit en or, soit en argent. Voilà. J'ai fait sur du carton à cartonnage. Voilà. Alors, je vais essayer de vous mettre. Et là, malheureusement, je suis restée sur le pied de la caméra, donc difficile à voir. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc j'ai fait avec du carton à cartonnage et j'ai recouvert donc de papier scrapbooking, mais ce sont des feuilles à la taille des comment? À la taille des calendriers de l'Avent. Voilà. Donc tout le matériel qui est dessus, enfin tout les accessoires qui sont dessus viennent de chez Cultura. Voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Vous voyez tous les petits. Là, c'était des badges, donc j'ai enlevé toutes les épingles et j'ai tout collé. Donc le 1, bien sûr, j'ai mélangé les chiffres. Voilà. Donc voilà, moi je le trouve pas mal, même assez bien. Voilà. Donc là, je viens de le remplir de petits cadeaux. Alors, je vais me remettre devant. Je viens de le remplir de petits cadeaux. Donc, pour Noël, il y a un cadeau spécial, bien sûr. Et dedans, il y a des chocolats, il y a du matériel de scrap pour le scrap, du matériel pour. Je vais le refermer parce que j'ai peur que ça tombe. Il y a du matériel pour alors, hop, voilà. Il y a du matériel pour le scrapbooking, pour les loisirs créatifs, etc. Il y a du parfum, il y a des petites choses qui n'ont rien à voir avec les loisirs créatifs, voilà. Donc bah, j'espère que ça va lui plaire. Donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En me laissant un commentaire, bien sûr. Et puis, alors, partez pas tout de suite. Là, à la fin, je vais vous mettre des photos pour que vous voyez un peu plus les détails en photo. Voilà. Et en même temps, au début, il y aura quelques photos. J'ai pas pris toute la conception en photo, mais le début est pris en photo. Donc, comme ça, vous verrez comment je m'y suis prise. Pour faire ce calendrier. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo bah, pour vous montrer comment j'ai fait comment je ne sais plus parler. Comment j'ai fait mon calendrier de l'Avent. Voilà. Donc bah, j'espère qu'il va plaire à Anso. Hein. Anso, c'est une abonnée de ma chaîne qui est venue me rejoindre sur Facebook et qui est venue rejoindre mon groupe du coup en même temps. Donc moi j'ai hâte de recevoir le sien et ben j'ai hâte qu'elle reçoive le mien également et puis d'avoir sa réaction. Voilà. Donc je vous remontre la couverture plus en détail. Je t'aime encore le bouger. Voilà. Vous voyez. Donc il est marqué Joyeux Noël. Les petits confettis, donc en argent ou en doré, avec les petites boules. Voilà, pailletées. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et ben là, ça, on n'en fait qu'un par an. Hein. Donc là, j'en referai un l'année prochaine, maintenant, certainement. Je verrai. Et donc, voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui, parce que j'ai encore plein de choses à faire. Là, surtout l'emballer et aller vite l'envoyer pour qu'elle l'ait rapidement. Et on se retrouve donc très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tutos. Il y a aussi des vidéos en retard, très en retard, que je dois vous monter. Mais bon, comme j'ai pas mal de rendez-vous médicaux en ce moment, bah, j'ai pris beaucoup de retard. Mais bon, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. À bientôt. Bye bye.